distribuer le disque. Qui porte bien son nom. Hein? Qui appelle? Hein? Qui m'appelle? Je suis client. Oh merde. C'est grave. Oui, c'est grave. Bon. Et quand le client appelle l'helpdesk, c'est rarement pour lui raconter son dernier week-end. Hein? Il nous invite pas aux champignons, fournisseur. Hein? Hein? Rien qu'au ton de sa voix, on comprend vite qu'il est pas forcément dans son meilleur jour. Hein? Ouh là 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 là. Qu'est-ce que ça encore que ma facture que tu n'as pas payé? Plaît-il? Il crie, il éructe, il fulmine, il hurle. Cher monsieur, calmez-vous. Vous êtes chez mes... La plus belle, la plus grande langue française au monde. Banque d'élégance, n'est-ce pas? Nous avons notre banque d'affaires, notre banque de retail. Et nous avons le charmant collègue en Belgique à Casa. Que pouvez-vous demander de mieux? Il ne sert de rien de vous égosiller de la sorte. Encore moins de vociférer. Vous faites du mal. Allez où ma facture? Hein? Ma facture, ma facture, ma facture, ma facture. Hein? On dit, je ne sais pas où est votre facture. J'en laisse la jambine. Comprenez-moi. Vous faites, et où sa facture? Où est-ce qu'elle peut être sa facture? Oh là là, dans tellement d'endroits. Trouvez-la moi, c'est urgent. Des urgences, mais y a, on en a des millions, on vit dans l'urgence, hein. Cela dit, il y a un truc qui est pas mal de lui dire, monsieur, je comprends votre tourment. Je m'associe à votre peine. En un mot, je m'occupe de vous. N'hésitez pas à me rappeler. Donc une fois qu'il a réussi à circonvenir ce client, schlouk, hein, boum, hein, le desk est même très professionnel. N'oubliez pas quand même que c'est le socle de la côte d'Azur, hein, se retourne vers Casa. Hein, vers un pôle de Casa, d'ailleurs, parce que Casa a plein de pôles. Bon. Elle est où cette facture? Je ne sais pas. Je ne la vois pas. Hein? Tu appelles un autre pôle. Peut-être, peut-être. Alors, Redes appelle un autre mot et à un moment il appelle Bruxelles. Il dit c'est vrai, après tout, il n'y a pas de raison de toujours appeler Casa, il appelle Bruxelles. Bruxelles, vous ne sauriez pas par hasard où elle pourrait être cette putain de facture, hein? Et le Belge, tu n'as qu'à sonner Casa. J'ai fait des choses, hein. Alors, ça c'est le working together. Bon.